si la vaccination peut nous permettre de faire autre chose puis d'enlever notre masque, moi, je suis pour. C'est pas que je suis anti-vaccin, c'est juste le vaccin, il a été fait un peu rapidement. J'ai peur de trouver plus de patients. Ça veut dire que les cas augmentent, plus d'hospitalisations. Mais j'étais quand même chanceux parce que j'ai pu passer 10 mois avec ma fille. Bonne fin de soirée tout le monde, bienvenue au fil. En officialisant le début de la troisième vague au Québec hier, on aurait pu penser que le gouvernement Legault nous préparait en quelque sorte à un resserrement des mesures aujourd'hui. Mais non. Et c'est pas parce que la situation est pas sérieuse, vous allez voir. Elle est préoccupante, en fait, dans 5 régions au Québec qui étaient pourtant stables depuis des semaines. On parle de l'Outaouais, la région de Québec, la Beauce, le Lac-Saint-Jean et Rivière-du-Loup-Kamouraska. Et remarquez que Montréal figure pas dans cette liste-là. Alors, comment expliquer la situation? Réponse, une partie de la réponse, c'est par un relâchement dans ces régions récemment passées en zone orange. Il y a de plus en plus de gens qui abandonneraient les mesures sanitaires. Et là, la santé publique craint le pire pour le long congé de Pâques qui arrive. Et c'est particulièrement le comportement des jeunes qui inquiète le gouvernement. La moitié des jeunes adultes actuellement vont voir leurs amis et ne respectent pas les consignes dans les maisons. Ça, c'est très grave. La troisième vague va dépendre de notre réponse collective à tous. Qu'est-ce qui se passe dans les soins intensifs? C'est les jeunes qui sortent moins vite, là. Et là, Étienne, ce sont en fait des données de l'Institut national de santé publique du Québec qui vraiment est venu ébranler la santé publique et le gouvernement aujourd'hui. Absolument. Des données qui confirment que la moitié des Québécois de 18 à 24 ans continuent de participer à des rassemblements privés avec des gens qui ne vivent pas avec eux. On l'a vu parfois sur les réseaux sociaux, il y a eu des parties. Mm-hmm. C'est aussi ce groupe d'âge qui respecte moins la distanciation physique, le fameux 2 mètres, 26 % d'entre eux seulement qui respectent cette distance-là dans leur milieu de travail. Et selon la santé publique, on ne peut pas se permettre d'avoir un groupe de la population qui ne respecte pas les consignes. Écoutez-les. C'est fort possible, oui, qu'avec les nouveaux variants en émergence, qu'il y ait plus de jeunes.